suis le docteur Florent Noël, je suis médecin au 1070 et responsable de la mission formation du 3SM, le service de santé. Depuis le printemps 2014, nous avons fait le choix de travailler en simulation haute fidélité. La simulation au 1070 va s'adresser prioritairement au personnel médical et infirmier du 3SM. La séance de simulation proprement dite débute toujours par une phase de briefing. Cette phase de briefing permet de présenter toutes les potentialités du mannequin aux apprenants. Ce mannequin est perfusable, bien évidemment, on peut lui prendre le pouls, on peut le sculpter, on peut lui parler, il répond. On peut également l'intuber. Ça permet également, ce temps de briefing, de découvrir l'environnement de travail, qui est modulable, puisqu'on a une pièce qui peut soit mimer un appartement, soit simuler une salle de déchocage. Et également, on travaille aussi dans une ambiance de cellule de VSAV pompier, qui est un environnement de travail pour nous privilégié, et qui permet, entre autres, de gérer l'espace. Bien évidemment, le mannequin est piloté par un technicien qui est constitué par un infirmier professionnel pompier qui a été formé à la simulation et qui, derrière une vitre sans teint, s'adapte aux réactions de l'équipe et guide le mannequin au cours du scénario. Après la séance de briefing, on passe à la session de travail en salle de simulation. Durant cette session, les apprenants vont utiliser le matériel habituel constitué des perfusions. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser les mêmes solutés de perfusion qui vont percuter, les ampoules seront brisées et les contenus utilisés, les dosages effectués à l'identique de la réalité. Tout cela concourt à une immersion complète dans le scénario et permet à l'apprenant de s'approprier ses connaissances et d'utiliser au mieux les protocoles de soins d'urgence pour les infirmiers. Ça permet aussi, cette session de simulation, d'évaluer la capacité de réaction à des problématiques ou à une dégradation brutale de l'état de la victime et permet de travailler également sur tout ce qui n'est pas technique, toutes les compétences non techniques qui sont la communication entre par exemple l'infirmier et le chef d'agrès, le médecin et l'infirmier ou l'équipe pompier et l'équipe du SAMU qui va venir travailler dans le deuxième temps. La session se clôture par le débriefing. Le débriefing va durer 2 à 3 fois le temps de travail en salle. C'est la phase la plus importante de travail. Il va permettre à l'apprenant d'avoir une analyse réflexive sur sa pratique, lui permettre d'analyser ce qu'il a fait, quels ressorts il a pu utiliser pour aboutir à une action de soin adaptée ou peut-être pas adaptée, mais c'est lui qui en fera l'analyse, c'est l'équipe qui va analyser, c'est jamais le formateur. On n'est pas dans une situation de jugement d'une autorité supérieure, mais bien dans un travail de discussion collaboratif ou d'échange où chacun va analyser de sa position de travail ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et amener après par la discussion des actions de correction ou renforcer les bonnes actions qui ont été entreprises au cours de la simulation.